tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo création. Donc on va faire une petite carte ensemble. Une sur, peut-être deux. Je vais voir si cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc j'avais envie de faire une petite carte avec cette planche de tampons. Donc sur le thème de la mer. Et donc comme j'ai eu un commentaire suite à ma dernière vidéo pour les fonds que je fais avec les encres, du coup avant de faire la carte et en faire une avec vous, j'ai décidé d'en faire une, la première avec vous ensemble pour vous montrer au niveau du fond. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc là moi au niveau de mon papier, j'ai pris une feuille d'aquamarqueur. J'aurais pu prendre l'autre aussi, mais donc j'ai pris celle-ci que j'ai pliée en deux. Donc je l'ai dépliée puisque j'ai protégé afin d'éviter de mettre trop d'encre sur l'autre partie. Donc je vais prendre cette encre là puisque ça va être sur le thème de la mer. Donc le Glimmer Mist couleur turquoise, donc il est vraiment trop trop beau. Et on a des petites paillettes au fond. Et vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Il suffit de ne pas mettre trop près le spray. Donc moi je me mets quand même à distance pour vraiment mettre, vous allez voir, de toute façon... Donc ça va être comme la carte que j'avais faite avec les produits BBCraft. Donc je mets une couche donc sur toute ma partie de carte donc avec l'encre bleue. Ensuite je vais mettre des toutes petites gouttelettes de jaune comme ça. Donc j'ai gardé exactement les mêmes encres. Donc là je vais pas mettre de spray directement. Je vais prendre mon embout comme ça et je vais venir faire, donc vous tapotez au niveau du bouchon, faites comme ça et vous tapotez légèrement. Donc pareil, je me mets quand même à distance, je fais pas trop près pour éviter que les gouttes soient trop grosses. Donc je vais m'arrêter là et je vais prendre un petit peu d'encre qui a un petit peu souffert tout à l'heure et j'en ai presque plus. Et là, pareil, j'enlève bien l'excédent d'encre. Je me mets pareil, à distance et je viens tapoter légèrement sur ma carte. Et on voit des petits points. Si j'en ai pas assez, j'hésite pas à reprendre de l'encre. Donc j'ai toujours mon paquet de lingettes bébé pas loin. Hop. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai mon autre partie qui est protégée et vous voyez, le fond est terminé. Vous voyez, bon, franchement, c'est vraiment très très simple. Avant, je mettais de l'encre, donc j'en mettais une et après une deuxième et je trouvais que ça faisait trop. Donc là, je préfère mettre une encre sur toute ma partie et ensuite rajouter quelques gouttelettes. Et franchement, ça rend trop trop bien. Donc je vais nettoyer juste mon fond en attendant que ça sèche. Donc là on attend que ce soit bien sec, sinon l'encre Memento risque de baver un petit peu
sur les parties où c'est pas encore sec. Donc sur une feuille où j'ai gardé celui-ci où j'avais fait mes tamponnages, je vais prendre le tampon avec le fard. Hop. Ensuite mon encre. Donc je vais prendre la Memento et je vais faire un ou deux tamponnages. Alors voilà le tamponnage, franchement ça rend vraiment trop bien. Je pense que je le coloriserai après quand j'aurai fait mon fond pour voir un petit peu au niveau des couleurs. Donc là c'est bientôt sec. Je pense que je vais faire un fond avec les écritures. Je vais peut-être prendre celui-ci. Et est-ce que je prends celui-là? Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Je vais aussi le tamponner. Voilà ce que ça rend. Donc je vais laisser bien sécher avant de coloriser. Mon fond est bien sec. On va pas voir dans la vidéo, mais c'est très légèrement pailleté au niveau du bleu. Je sais pas si on va voir. Je vais encore laisser sécher un petit peu. Je vais voir sur quelle couleur je pars. Je pense que je vais prendre un jaune et un rouge. Ça va faire peut-être trop. Je vais voir. Bon, pareil, je ne suis pas une pro de la colorisation. Niveau des dégradés, tout ça. Ce que j'aime bien, c'est laisser par endroit un tout petit peu de blanc. Voilà ce que ça donne. Ça, j'aurais plus qu'à le découper. Et au niveau du fard, je sais pas sur quelle couleur. Est-ce que je pars sur un orange? Euh,
pour les feutres, c'est ceux-là de chez Action. Donc c'est le numéro 33 melon jaune. Et le jaune que j'ai pris pour le... C'est le lemon yellow en 35 pour le volant en bois. Je vais essayer celui-là. Donc c'est le 45 canary yellow. Peut-être partir sur celui-là. Ouais. Et le bas, je vais peut-être prendre le orange. Voilà ce que ça donne pour le fard. Donc j'ai plus qu'à découper tout ça. Ça c'est découpé, c'est colorisé. Là je pense que mon fond c'est impeccable. Je vais pouvoir ancrer. Alors je vais prendre celui-là. Donc, je vais prendre ce tampon là avec l'encre dans le coin. Et souvent je regarde, je positionne et je vois. Le mieux, donc je pense que je vais le mettre dans le coin. Je pense que je vais en refaire un en haut, dans le coin.
Hop, donc je vais prendre mes petites découpes. Je vais peut-être prendre. Ça me paraît pas mal, donc j'ai rien encore collé. Je vais voir, est-ce que je laisse comme ça ou je modifie. Je vais prendre le feutre jaune et je vais prendre mes petites étiquettes comme ça et je vais mettre légèrement du feutre tout autour comme si j'ancrais ma découpe. Et je vais faire pareil avec celui du bas. Le rond, je vais le laisser tel quel, je vais pas mettre de jaune, sinon ça va faire vraiment trop. Et ça m'a l'air pas mal comme ça, donc j'ai plus qu'à coller là. Je vais prendre ma colle. Donc quand vous êtes sûr de vos positionnements au niveau de vos embellissements, vous n'avez plus qu'à coller. Hop. Donc c'est parti. Donc la colle c'est toujours, enfin là c'est, comme c'est un bouchon bleu, je me suis trompée, mais elle colle vraiment très très bien. Donc celle-ci c'est la Textile Glue, mais habituellement je prends la Tacky Glue, mais celle-ci elle colle très très bien aussi. Ensuite, je vais coller mon rond qui est festonné. Et pour mes découpes, je vais les mettre en relief. Donc je vais prendre mes petits carrés de mousse. Et donc ce que je fais tout le temps, c'est que je mets une petite pointe de colle sur ma découpe. Je fais pareil avec le fard. Et ensuite, je vais mettre les carrés de mousse. Donc je prends
Pour les carrés, je prends vraiment la toute petite épaisseur, parce que dans celui-là, on a 3 épaisseurs différentes, et je prends vraiment le plus fin. Et après, une fois que c'est bien sec, j'enlève Et ensuite, je vais rajouter une toute petite pointe de colle sur mes carrés de mousse. Hop. Et je les positionne. Tac. Et tac. Et ensuite, je vais juste rajouter des petites gouttes de nouveau, donc en transparent. Alors, je vais en mettre un. Voilà ce que ça donne pour la carte. Vous voyez, c'est vraiment super simple au niveau du fond. Après, vous mettez vos tamponnages de fond. Vous faites des tamponnages pour mettre ensuite sur votre création. Et puis, les dies, franchement, ça rend trop trop bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, au niveau des enamel dots, ça ressort blanc, mais je viens de les faire, donc c'est normal. Mais une fois que ça sera totalement sec, ça sera transparent et ça donnera un côté, un effet relief. Donc je vais laisser sécher ça tranquillement. Je vais faire ma deuxième carte et je vous retrouve pour vous montrer le rendu. Alors voilà, ma deuxième carte est à présent terminée. Franchement, je suis trop trop fan.
Donc j'ai utilisé cette planche de tampon, donc je vous l'avais dit, avec le petit lapinou qui est trop choupi. Au niveau du titre, j'ai pris celui-ci que j'ai coupé. Ensuite, au niveau du die, j'ai pris les découpes que j'ai faites avec la pellicule photo. Donc là, au niveau du fond, j'ai mis, parce que j'ai un petit souci au niveau de mon spray, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'ai certaines encres qui se bouchent, du coup on a beau vaporiser, il n'y a rien qui sort et après ça fait des taches. Donc j'ai dévissé mon flacon et j'ai fait quelques taches un petit peu partout sur ma carte, et pour unifier le tout, j'ai donc celle-ci, c'est bon, elle n'est pas bouchée, donc j'ai pu mettre de l'encre sur toute ma carte, donc c'est la gold, et pareil celle-ci, j'en ai plus beaucoup puisque j'aime beaucoup l'effet. Alors je sais pas si on va bien voir, mais il y a des petites paillettes, est-ce qu'on va voir, ouais, ici on voit un petit peu. Et comme d'habitude, j'ai mis quelques gouttelettes d'encre blanche. Alors, j'essaie de vous dézoomer un petit peu. Donc, une fois que mon fond était bien sec, j'ai tamponné tout le bas avec ce tampon, avec les petites fleurs comme ça. Donc, j'ai tamponné 2,5 fois. Ensuite, j'ai tamponné le petit lapin que j'ai coupé. J'ai colorisé, j'ai voulu coloriser les petits œufs juste en bas. Et comme mon titre est assez... voilà, je l'ai coupé en 3 morceaux. Donc je l'ai mis ici en 3D. Donc ça, voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Au niveau de mon titre, j'ai comme la carte précédente, j'ai mis un petit peu de feutre pour faire un petit peu comme si on ancrait avec de l'encre, mais bon là je l'ai fait avec le feutre que j'ai mis en 3D. Pareil au niveau du lapin, il est en 3D, le titre également. Et donc j'ai mis la pellicule photo juste là, et j'ai voulu garder un morceau pour éviter que ça soit trop chargé, parce que ma carte est assez petite, c'est la moitié de la page. Je l'ai mis de travers et je l'ai coupé, comme ça on voit, ça ne cache pas au niveau de la frise fleurie en bas. Et j'ai mis des enamel dots transparents. Et donc voilà le rendu, je suis trop contente. Donc avec ma première carte, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces deux petites cartes. Moi franchement je suis trop fan de ce fond d'encre maison comme ça, les tamponnages, les die cuts, enfin les découpes avec les die. Franchement ça rend vraiment trop bien, donc je suis juste ravie. Moi je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.